Parce que pendant 3 mois, je me suis mis dans le cachet. Mais stratégie, tu es manqué. Tu fais le retourner sur nous. Et c'est ça que nous dit. Pendant la bataille qui va démarrer là, nous avons 3 périodes. Jean-Docteur Chilès au dit là, il y a une tranche de mobilisation qui a démarré depuis ce maintenant pour arriver 3 novembre. Bien dit, nous 3 novembre. On a noté ça. Et 3 novembre pour arriver le 2e lundi janvier, c'est pour une mobilisation active. Donc, parce que nous ne pouvons pas baisser les voix. Nous ne pouvons pas baisser les voix. Parce que même là, Jovenel allait, nous avons continué la bataille pour le changement. Parce que le système n'a pas déraciné totalement. Et c'est dans ce sens-là, m'a dit, Jean-Chilès au deal. Problème pays, ce n'est pas convoquer Yuri dans Yelsi. C'est dollar qui 124 gouttes, mon dollar. C'est lui le problème, je veux dire. Ou pas qu'à marron pour le problème. C'est professeur qui n'a pas touché le problème. C'est inflation qui 24%. Là, vous parlez d'inflation, ça veut dire la vie chère. Ça ne peut qu'on acheter pour 10 gouttes, pour y a 100 gouttes. Et c'est ça que l'inflation. Grand économiste parlait d'inflation, mais nous parlons de la vie chère. Ou bien misère Clorox. Ça veut dire, nous avons une situation extrêmement. Jean-Chilès a dit tout à l'heure. Nous avons une croissance négative. Parce que le taux démographique là, supérieur par rapport avec le taux de croissance qui vient. Et ça vient de un taux de croissance négatif. Ça veut dire pas gagner l'espoir même dans le pays. Pas gagner la vie encore. Parce que le pays n'a pas produit de richesse. Ça veut dire nous pas gagner rien pour manger. Et dans le même moment, bon insécurité galopante. Côté monde a mouru partout. Gang a mouté tout côté. Seulement la cité soleil, c'est 50 personnes qui mourent dans le budget. Ça veut dire, la situation n'est pas à d'accord. Si bébé a tombé, femme enceinte a tombé, pourquoi ça a réveillé la société? Et nous pas oublier la promesse du journal de Fèvre, pour 24 sur 24. L'idée de la Fèvre dans 24 mois. Mais je dis, c'est blackout 24 sur 24. Pendant tout le mandat là. Après, on a parlé de 2 mois par les courants. C'est pendant tout le mandat journée là par les courants. Nous n'en faisons pas. Question manger, la mettre dans le bol, nous, à côté manger. Question pour la mettre dans la poche, nous, à côté. Côté wifi, il y a un bâche, n'est-ce pas, sous champ de masse. C'est le service. Côté c'est le service pour cap là. Côté route là c'est pas tout. Côté caravane. Lycée, qui t'a fait côté you. Il va me couper parce que je mets c'est qui chaque fois le parler. Je promets, je vais me finir. Mais ma dino, pendant que j'ai 9, mon petit G5 qui beaucoup de G9. G5 là, c'est l'administration américaine. USA. C'est pas peuple américain, non, peuple américain, beaucoup de nous. Mais c'est l'administration même qui peut appeler peuple haïtien. Deux, c'est PHTK qui crase le pays pendant 10 ans. 3, c'est peut-être la police là. Je veux dire, hier, nous venons dans le jeu de ce parti là. Nous restons avec le directeur général de la police. Côté Ankeli. Côté Ankeli. Pour qui ça va démissionner? 4, c'est la justice. La justice mettait tout militant nous dans la main. La justice mettait tout militant nous dans la prison. La justice de connivence avec le maire. Puis commençons à 5e nom, c'est gagné. C'est 5 entités qui ont le pays en otage.
Mais l'important pour nous dire, c'est qu'un des pays en otage parce que eux-mêmes, ils ont lien avec Jovenel. Et on te dit ces questions constitutionnelles à régler. Jovenel est élu pour 7 février 2021 pour prendre l'Alpini. Ça, nous quittons régler entre eux. Mais nous-mêmes, au niveau du secteur démocratique, là, la bataille pour nous déloger Jovenel avant 7 février 2021. Ça, c'est responsabilité. Ça. Et c'est ça que fait nous dire. Bataille 2019 là, pas bataille 2020. Stratégie, il y a révisé et augmenté. Parce que Jean-Jovenel pense qu'il y a une belle bataille, là, il n'y a pas comme ça une belle bataille. Et c'est ça que fait demander pour chaque militant, à travers le pays, il y a fait brin de travail. Oui, oui, qui ça ne va pas faire, qui fait Jovenel pas d'aller. Et pour ne faire ça, il va faire, ça ne va pas faire. Pour le cas, il va faire. Et maintenant, nous, pour nous continuer à mener la bataille à tous côtés. Quartier populaire, nous ne pouvons pas quitter le bas, messieurs. Il faut gagner le bas de bas devant volonté de ici. Parce que c'est nous qui sommes faits 17 octobre, 18 novembre. C'est nous qui faisons 3 mois que nous sommes dans le bas. Mais nous pas sortir. Et nous avons garanti. Gang yo pas tant efficient. Ça veut dire je dis à ça n'a défend là. C'est pour moun qui dans quartier populaire. Ces jeunes garçons, jeunes femmes qui ont bail seule alternative c'est que mozam nan mais. Bon nous même nous dit n'a fini à bagaille ça. Pour vivre dans pour moun. Pour qui ça n'a yo pas bail l'autre petit choke mes amis. Pour qui ça n'a yo pas bail moun qui dans quartier IPO que mes amis. Pour qui ça c'est dans quartier populaire bail que mes amis. Ça, on a fini avec elle. Et c'est ça que fait une bataille ensemble avec tout le monde dans le quartier populaire pour changer le système qu'il a. Et dans ce sens, on a dit bataille a démarré. Jean Chilet tout dit. J'ai dit, c'est un gros, gros, gros qu'il y a un rendez-vous. Je ne parle personne de monde oublier rendez-vous ça. Je ne parle personne de monde rater rendez-vous ça. Présence nous tous importants. Parce que nous allons montrer Jovenel. Nous-mêmes, bataille nous en clair. Nous avons cassé ce système-là. Et nous avons Jovenel un message. Pour nous dire, route qui prend là, là, il y a deux choix. Ce soir, le courir parti qui le pays, après le gouvernement responsable, après l'émission pour mettre le pénitentiaire. Ou bien, le tour de pénitentiaire directement. Parce que pour le crime Jovenel fait, pour nous nous perdre, mais c'est nous qu'on est qui va les militaires tomber. Pour militaires qui sont endommagés, pour militaires qui sont en prison, Jovenel, pas bâillé tête ni l'autre choix. Et lui, pas bâillé tête ni l'autre choix. Ça veut dire, ça est important pour nous dire, Jovenel, il n'y a pas de route pas bois. Parce qu'il n'y a pas de route pas bois, pour qui ça? Parce que tout secteur dans la vie nationale là, vous de Jovenel. Ça fait Jovenel pas qu'à mouton ka epi. Et des événements, nous t'en gagnons, oui. Mais, nous n'y gagnons dans le secteur vaudois. Nous n'y gagnons dans le secteur vaudois. Nous n'y gagnons dans le secteur vaudois. Et pas représentant le secteur vaudois. Parce que pas ici, son père vaudou isanye. Je pas reconnaître moun sa yo. Ça veut dire vaudou isanye, poko voye moun. Ça veut dire c'est des raquettes que Jovenel gagnons. Et on a félicité tout le secteur, dans la vie nationale, qui boudait des matchs Jovenel. On a félicité tout le parti politique, tout le groupe organisé, tout le monde qui est en opposition, pour nous faire coup à coup, pour nous marcher pour nous déloger Jovenel. Et c'est ça que fait moi, je dis à des pas importants qui franchissent la bataille. Parce que l'opposition est unie. Je dis à l'opposition à son seul bloc privé. Elle dit il y a deux blocs en le pays. Il y a un petit bloc qui est une minorité, juste qui est corruption, assassin, criminel, vagabond, voyou, qui est dirigé par Jovenel et Matéli. Et un autre gros groupe qui regroupe toutes les revendications du peuple, toute société civile, tout parti politique conséquent, tout le monde en général qui dit non avec le projet Cap de Cuplier. Ça veut dire. Je dis, si ou est un monde qui dit l'opposition, il n'y a pas le même langage à secteur démocratique. Il n'y a pas le même langage
avec 3000 avalas. Il n'y a pas le même langage avec l'autre parti politique qu'on est normatif. Ça veut dire tout le monde qui est en opposition doit gagner un seul langage. Tout le monde qui est en opposition doit gagner un seul. Nous pas dans l'élection. Nous pas dans l'élection. C'est dans déboulonner je crois. L'on a élection à critiquer. L'on a élection à battre avec. L'on a élection pas faire guerre avec si t'as des bonnes guerres. Mais l'on pas dans l'élection pas capturer. Ça veut dire important pour demander tout le monde réviser, ressaisir, parce que pas de opposition qu'on seule opposition. Pas de pouvoir pouvoirs qu'on seul pouvoir. Pour PHTK face à l'opposition, côté peuple à la dent et toute partie en de pays, toute société civile, tout le monde pense. Et c'est ça que fait Nabdi. J'ai dit, l'opposition en général a accompagné lui pour aller devant l'ILCC pour aller côté message là. Bah, il peuple haïtien et pour nous dire que mobilisation est déclenchée sur tout le territoire. D'accord, sénateur Nenel Cassine et conférence de presse. En support à Yuri, sénateur Yuri La Tortue, qu'on connaît ILCC, pour le fait job, président Jovenel Moïse, invité sénateur La Tortue pour demain, pour la répondre question, soyons prêts. Que le fait dans l'ONA, si après ça, que le fait ferme, côté ouais, sénateur a gagné, et ze et dans les organes et que le compte pour là tout d'ailleurs et que la paix se ferme ça cap utile paysage André Michel Dil et alors André Michel tout qui était dans conférence ça André Michel qui était parlé bien avant et mais en nous gain en nous essayer ouais avec André l'essentiel de ça te dit André son plaisir frère. Bon, et bonsoir Jean-Monard, bonsoir tout auditeur Radio Caraïbe FM. Effectivement, Jean-Odile là, jeudi à dans local secteur démocratique et populaire, te gen yon conférence de presse en solidarité avec le sénateur La Tortue. Et Jean-Monte dit dans la conférence de presse là, l'hebda palais, on dit que nous sommes des républicains. Un républicain, son monde qui connaît l'institution. Un républicain, son monde qui connaît la démocratie. Si nous avons une conviction, c'est la justice qui t'a fait travailler en toute indépendance. Nous avons dit, sénateur La Tortue, prends avocat, allez devant ULCC pour assurer défense, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Mais comme nous comprenons, ce n'est pas ULCC qui a agi. Comme nous connaissons, ce n'est pas la justice qui a agi, c'est la persécution politique qui a fait, et bien nous dit faut que nous baillons solidarité politique. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, si la justice a gagné indépendance, je dis à Jovenel Moïse, non, cité 69 fois, non, volé l'agent Petro-Caribé, monsieur tape en prison déjà. Si la justice a fait travail, je dis à Martine Moïse, tape en prison déjà. Si la justice a fait travail, Laurent Lamotte, je dis à qui c'est le principal conseiller Jovenel Moïse, monsieur tape en prison déjà. Parce que monsieur, pour contre l'écraser plus passer 700 millions de dollars américains dans le compte Petro-Caribé. Si c'était la justice, pour d'accord avec moi, monde qui volait l'agent Caravaggio, il tape en prison déjà. Si c'était la justice, presque 95% de monde dans le PHTK tape en prison déjà. Bon, nous comprenons. Ce n'est pas la justice qui a fait, c'est la politique qui a fait. Voilà pourquoi nous avons décidé de donner au sénateur La Tortue toute la solidarité du secteur démocratique et populaire, toute la solidarité de l'opposition. Et ça fait aujourd'hui, dans le département du Nord, la coordination départementale Nord du secteur démocratique va faire une conférence de presse aujourd'hui pour bailler support à sénateur La Tortue. Aujourd'hui, dans Ville-Tigouave, la coordination du secteur démocratique pour la région des Palmes, qui regroupe Miragouane, Tigouave, Grécier, Léogane, eh bien, Grand Couave, ils ont tout à fait une conférence de presse matin hein, pour bailler sénateur La Tortue, solidarité. Et je dis, dans le local secteur démocratique là, nous faisons une grosse conférence de presse de solidarité avec le sénateur La Tortue. Parce que Jovenel Moïse, ouais, ils font un bon monde courir déjà. Un bon monde lui fait courir, quitter pays après exil. Ils pensent
qui est capable de faire sénateur la torture cause. Et nous dit sénateur la torture fait partie de l'opposition. Ces persécutions politiques qu'a fait, nous ne permettrons pas à ce pouvoir d'utiliser un soi-disant dossier de l'ONA pour persécuter le secteur démocratique et populaire, pour persécuter Yuri la torture. On veut abattre l'opposition politique en plein vol. Parce que qu'on est, nous commençons et travaillons ensemble, nous en concertation, nous travaillons pour nous présenter une alternative, nous travaillons pour nous présenter un document de transition. Maintenant, pour casser l'opposition dans son élan, pour abattre l'opposition politique en plein vol, il a utilisé un dossier, il a instrumentalisé le pour intimider le sénateur Latorche. Et bien qu'on ait mal calculé, cela ne passera pas. Jeudi matin, le pays se réveillera en condition 2. Condition 2 dans l'armée, ça veut dire vous êtes prêts à tirer, mais vous ne tirez pas. C'est-à-dire, n'a pas réveillé en condition 2, n'a pas accompagné le sénateur Latorche pour nous bailler solidarité. Alors, dit, l'on dit, André, l'on dit n'a pas accompagné. Et de qui nous parlons, nous-mêmes dans le secteur démocratique là, ou bien de l'opposition politique, je parle des militants d'avant-garde du secteur démocratique et n'a accompagné, et m'a parlé de tout avocat qui, dans l'opposition, hein, ça baille support politique là. Parce que pour nous, son bagage qui est fondamental, pas un dossier technique contre le sénateur Latorche, le dossier est politique. M'a expliqué. Yo parlé de maman Yuri la torture. Mais depuis 24 avril 2017, maman Yuri la torture désistait, dit le pas dans frère encore. Ça veut dire maman Yuri la torture pas prêté 5 op dans ONA. Première clarification. Deuxième clarification. Le sénateur la torture voulait prendre prêt pour faire Léogane, non? On a envoyé une équipe Léogane à visiter Femme la torture parce que Femme n'était déjà là avant prêt à inspecter Femme non et Léofine étudier inspecter FEM, non? Commission on a son rapport d'évaluation et au diomètre bail, sénateur Latorche, prêt. Autre chose, dans le contrat hypothécaire passé en l'étude du notaire séant entre l'ONA, représenté par Chesnel Pierre, son directeur général, et le sénateur Latorche, il écrit noir sur blanc, bleu, tout le monde entendait ça. Il écrit noir sur blanc que les époux Latorche ont bénéficié d'un prêt de 70 millions de gourdes pour aménager la ferme La Tortue qui se trouve à Léogane. Ça veut dire, pas, Yuri pas gain corps pour le faire market, il pas gain corps pour le faire pharmacie. Effectivement, bon projet, on a farm, on a market, mais il est clair que les 70 millions de gourdes accordés aux époux La Tortue à titre de prêt ont été accordés pour aménager la ferme La Tortue. Ça m'a dit, papa, on l'a dit, non? On a un contrat hypothécaire devant, c'est l'imavlil. Ça veut dire, vous comprenez, mon cap parler de maquette, détournement de fonds, cap parler de pharmacie. Maintenant, c'est du mensonge. Autre chose, dans la correspondance du directeur général de l'ONA, M. Chesnel Pierre, adressé à Messéan, il est écrit noir sur blanc que la ferme La Tortue accepte de prendre. Eh bien, un prêt de 70 millions de gourdes pour renforcer sa capacité de production. Ça veut dire, effectivement, qu'on projet maquette, on projet pharmacie, mais en ce qui concerne les époux La Tortue, ils ont bénéficié de ce prêt pour aménager la ferme La Tortue. Ça veut dire que ça n'a pas gagné question de détournement de fonds, et c'est clair pour nous, c'est un dossier qui est terminé, qui est clos techniquement, juridiquement parlant. Maintenant, on veut utiliser ce dossier à des fins politiques, à des fins malsaines, à des fins politiciennes. Voilà pourquoi nous avons décidé d'accorder au sénateur Latorche notre support politique sans faille, notre support moral total. Et c'est pourquoi nous le disons, nous le répétons, il n'est pas seul dans cette bataille. Parce que si nous quittons au courrier sous sénateur Latorche n'importe quand, et que nous ne pas mettre pieds nous sous pieds attaquants, eh bien, la rentre dans 5,50 m. S'il rentre dans 5,50 m, non, même s'il casse les agoles, la grande pénalité. Bon, nous décidons depuis dans un terrain pour ne pile attaquant pour ne pas arriver dans 5,50 m. Voilà la posture qui est seule, qui est la posture de l'opposition aujourd'hui. Et c'est ça qui fait n'a tout passé à l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et ça qui fait jeudi matin, n'a tout déposé plainte dans l'ULCC. Combien plainte ou gain? Combien plainte? Allô? Combien plaît-on pour ULCC? Non, non.
Ah, mon cher, il y a plusieurs plaintes. Alors, mm-hmm. Vous comprenez, il faut finaliser tout. Vous connaissez, il y a l'agent caravane qui dépense, personne ne par contre ça, il fait avec comme ça, il dépense la caravane. Les premières informations montrent qu'il s'agit d'une opération de corruption qui a été conduite par le couple Moïse, c'est-à-dire Jovenel Moïse, Martine Moïse. N'a déposé plainte pour demander ULCC à faire enquête sur l'agent caravane. Autre dossier, on est qui gon compagnie location pour les Evis, qui te connaît le Jovenel Moïse, machine 2017. Monsieur dit Jovenel, mais faut payer parce qu'on doit 2 millions de dollars. Jovenel Moïse, diable qui pour, on a là. Jovenel Moïse prend téléphone, il le directeur on a, et puis il fait bail. Responsable Evis là, on prend 800 millions de gourdes qui à l'époque équivaut à 11 millions de dollars américains. Monsieur pas jamais payé, on a un goutte. Bref, mais ça a eu le trafic d'influence. Le palais national est intervenu pour forcer l'administration de Dona à accorder un prêt de plus de 800 millions de gourdes à un monde que Jovenel Moïse doit prendre, l'élite dans la campagne, il tape le machine dans la main. Mais ça a eu les deux autres. Et là, on voit le directeur ULCC en bataille contre la corruption. Autre chose, il y a un dossier Mazout là. Mazout qui crase moteur EDHO. Premel riche, commandé en mazout. Yo mette le moteur EDH. Moteur EDH crasé. Ministre travaux publics, il prend l'argent dans la caisse l'État pour réparer les moteurs de l'EDH endommagé par la faute de la compagnie Premel riche. C'est un scandale. Ce n'est pas normal. Compagnie qui te commande mazout là, qui va EDH mauvais mazout là, c'est pour réparer moteur. Pour qui ça? EDH, pour qui ça BMPAD, pour qui ça travaux publics pas voyer dossier ça devant tribunal, yo pas voyer le parquet, yo pas voyer l'ULCC. Ah, son question fondamentale. Et moi, j'en bagaille qui est plus important. Vous connaissez, en matière de produits pétroliers, là, yo commande diesel, mazout, gasoline. Avant yo utiliser le sous-marché, il y a une institution qui réalisait ce qu'on appelle un contrôle de qualité. Pour regarder est-ce que le produit est bon avant de bailler pour mettre dans la machine, mettre dans le moteur. Est-ce qu'on connaît, dans le cadre de la cargaison de ce mazout, dans cette cargaison de mazout, attendez bien, oui, le contrôle de qualité n'a pas été réalisé avant l'utilisation de ce mazout. Est-ce qu'on entend des désordre. Ça veut dire qui ça? Donc, un mazout qui sortit à l'étranger, qui sortit d'Exas, lui rentre ici. Yo mette le moteur EDH, yo pas même garder si son bon mazout, et puis c'est voilà que mazout a crasé moteur EDH. Ça veut dire quoi? Les intérêts de l'État n'ont pas été défendus dans cette affaire. Personne n'a défendu les intérêts de l'État. PMPAD n'a pas défendu les intérêts de l'État. EDH n'a pas défendu les intérêts de l'État. Le ministère des CPTC n'a pas défendu les intérêts de l'État. Voilà un dossier de corruption qui devrait interpeller l'ULCC. Voilà pourquoi autant de dossiers complètes seront déposées par devant l'ULCC. C'est ça la bataille. Mais, sénateur Latortue lui-même, il coule, il cacale, il pose parce qu'il n'y a absolument rien à voir. Je viens de lui parler, en effet. Il se prépare, et peuple là a accompagné le tout. Non, écoutez, pardon, va bien. Moi, dis et ma pro dit encore. Le sénateur Latortue, cacale. Tête frette. Il n'a rien à craindre dans cette affaire. Pour deux raisons. Premièrement, parce que techniquement, il n'y a pas aucune faute. Son équipe paye on a régulièrement. Et il y a un taux d'intérêt de 3%. C'est normal parce que c'est ça taux. Banque centrale là, il a investi dans l'agriculture. Il n'y a pas qu'un taux qui est capable d'encourager. Bref, il n'y a pas eu de trafic d'influence. Pour le faire trafic d'influence, il n'y a pas un taux qui est bas. Pas de trafic d'influence. Et deuxièmement, parce que le sénateur l'a tortue. Fait partie de l'opposition politique. Il fait partie de la majorité. Il a le support de toute l'opposition et il a le support de la population. Personne ne peut intimider le sénateur Latortue. Personne ne peut intimider l'opposition politique. Il fait mon courir déjà, mais là, bon, garantie au pape capable d'aller plus loin. Et l'histoire retiendra que l'opposition haïtienne avait stoppé la progression de la machine de persécution politique du régime en place. Et c'est justement dans le dossier sénateur Latortue n'a tout bloqué progression machine répression politique là. Nous pas quitter M. Revenant 50, non, n'a mettre pied sous la gaule
depuis dans l'intérêt. Merci, merci infiniment André, merci. Et... Merci, merci, je vais les faire, bye. D'accord, merci. Alors, oui, noter focus sous conférence qui bat matin hein, par secteur démocratique et populaire et pour yo afficher toute solidarité yo avec sénateur La Tortue. Évidemment, conférence là et conférence là et pour qui ça coûte ça n'est pas et conférence là elle était commencé bien avant intersection, c'est ça qui fait intervention André, intervention Chiller Louis-Dor, nous pas de temps joignons, nous vient tomber sous conclusion sénateur Nenel Kassi, c'est ça qui fait nous relé André après pour l'expliquer et en détail pour nous. Merci André qu'on mette disponible malgré au fin faire conférence là pour nous mettre en détail et l'essentiel de celle saldi et disposition qu'il a déjà prend pour jeudi pour eux-mêmes et ensuite PIA qu'il a demandé accompagner le sénateur La Tortue parce que pour lui c'est pas bagaille la justice qui a réglé ni a fait blanchiment ni a fait contrôle sous l'argent l'État, c'est juste yo besoin persécuter un opposant. Et la preuve, si c'était la justice, c'était et toi Kamoun PHTK qui t'a bien tant en prison. Commencé sous Jovenel Moïse qui fait un pile des ordres en dans ONA bien avant que le arrivé président n'a a fait campagne et c'est ça. Alors, gagnant sous dossier Joseph Joute là, gagnant Edmond Supplice Bozil qui écrit un billet à Premier ministre là n'a fait sécurité et ça le tal fait dans palais dans prend pose humilié et chef police là bien que nous pral temps de le pral dire après dans nouvelle liste que et que chef police là gagne tout respect li mais nous va comprendre nèg ici bien pour monsieur Joute. Yon l'autre fois ou l'ouvri bouchou pour montrer ou c'est yon moun sans dimension qui manque culture ak tritiche pour gérer l'état nan pi ou niveau li ou pa gen leadership ni bon manye. Directeur Nomil Rambo gagnait yon passé dans DCPJ qui parlait pour lui mais depuis li prend tête PNH là nous dé reconnaître li job nan équipe Bizango ak Zagoloray qui nan tête pouvoir PHTK c'est founo pour griller cervelle moun honnête ou l'eau compressé pour carabinet réputation ak capacité yo. Depuis monsieur Rameau rivé dans DGPNH là nam li aller s'il perdu contrôle tête li monsieur Joute ou parler l'autre jour c'est une tristesse léon mon a gardé profondeur immaturité ak azaïs qui caractérisait parole yo quand on joint à causer 16 000 blindés ça. Pour qui ça ou pas proposer construire 16 000 cailles pour policiers yo vivre avec famille yo. Ou voulez divertir l'opinion publique là pour empêcher société à parler sous dossier policiers bandits à persécuter, touiller, kidnapper. Femme enceinte avec petit bébé qui a tombé en babal, monsieur Joute. Ou mélanger, ou gailler, ou tête en bas ou agit en couillon irresponsable cap marcher la guichaille sous moun causer insécurité ak bandi la ak bandi la dossier l'état doué adresser nan pi au niveau li doué gen bon jan politique publique sous sécurité vie moun ak bien yo moyen matériel ak moun formé et puis et stratégie adaptée. T'assemblé dans dossier ça gouvernement là plus chita sous gagote côté l'agent intelligence là monsieur Joute t'en prie rend
public là pressé yon rapport sous corps intelligence qui a rentré sorti dans palais national dans primatiche dans ministère la justice dans ministère intérieur et tout l'autre côté l'argent l'état dépensé pour sécurité publique monsieur Jout tant pris rend yon rapport sous âme chlong qui était disparaître dans palais national là et à pile conversation a vanté ou gagné avec chef gang yo qui ça c'est NDDR a réglé côté bandi yo joine tout gros âme fan fois ça yo yo tap exhibé l'autre jour sous bicentenaire tout près bureau dans primatia pour qui ça exécutif la fait manger sous parade ça qui t'assemblé gain ak wè ak révoqué Likman Delil ancien ministre justice là monsieur Jout bien ça doit rete pour l'histoire car rappelé te gagnon premier ministre sans élégance sans triture qui confond gouvernement ak show off ou c'est président CSPN ou grand l'autre espace pour parler ak ou état major la police là et spectacle ou offria fad blême mastoc discours là qui te visé discréditer DGPNH là avili ou même pito li prouvé léon vilgain personnage a mené l'état li évident poussé dans la boue peuple là a baigné moi saisi voyons chef qui gain plus passé 15,000 moun exam dans troupe li boue malhonnête ça pour depuis même joie te doué gagnon déposer zam en dans institution pour restaurer image la police là et puis répondre à déclaration ça qui c'est une attaque en plus qui visait faibli PNH là pendant gang yo a fédéré G9 famille alliée. Moi son Jérambo c'est nèg qui te fait kidnapping dans Badba dans pays là. Mais pas qu'on ait li, mais résultat travail li dans DCPJ parle pour li. Pour qui li pas qu'à travailler encore aujourd'hui, monsieur président, qu'a fait décret tribobabo, décret en bayou, quitte tête la police là comme intérimaire, c'est capable yon cause qui explique yon manque d'engagement bon côté chef police là. Nous dit tout ça yon. C'est peut-être. Même ici ajoute, est-ce que c'est la police qui est responsable tout problème social yo, problème économique yo, gouvernement nan incapable d'adresser yo, yon bon premier ministre tap konnen bagay la pi compliqué passer ça noue ya. Yon exemple. Centre d'accueil Delma, dicté a dit mette pied depuis mois janvier. Yon nan ti moun yo mouri ak tuberculose, nèg la pa révoqué. Qui est-ce qui a contrôlé le fonctionnement du centre d'accueil là? Constat, c'est que pas de dirigeant pièce côté. La police, c'est un exécutant. Tout problème, ça y est, il y a une réponse. Absence leadership et bon manière, lors de la situation guérilla, ça y est, la police pas qu'à combattre. C'est l'armée qui est intervenue dans quel que soit pays. Merci Edmond. Yon bon chef AI de Jérôme prend yon engagement. Champouel, li te dwe konnen, li ap jwenn moyen, li pap jwenn moyen, li pap gen rien pou te di, li te dwe fè silence ou bien démissionner. M'songe Pierre-Michel Lubin te révoqué parce que pouvoir nan époque là pas supporté li. Li tap traqué bandi, te gen deux soldats, général Titi qui t'est tombé, Coventon dans Cité Soleil, c'était soldat pouvoir qui t'est tombé époque là. Nous songez Jean ça t'est passé. Nous grand timoun, nous gen bon mémoire depuis ce pouvoir qui a alimenté gang, la police a toujours faible. Premier ministre Jean Paléa ou anti Jean vilgain banal plate. Gros gomme pour me pas ajouter gros souliers ou parler vaille que vaille ou craser dignité tout policier même comme mandat équipe tête caléa bout 7 février 2021 avant nous aller nous voulons craser PNH là c'est bien compté mal calculé ouais ca écraser vinn prend bloc peuple là pas responsable si ca est la tombé sur nous.
Lovensky, en pile expression, il faut nous apprendre, il dit, ah, ouais, qu'a écrasé, vinera les blocs. Peuple n'a pas responsable si pas nous apprendre les blocs là, qu'elle a tout couvert. Monsieur Jout, m'a serré tibié ça, pour petit à petit, tout le monde qui tombe en bas, bal bandit ça, yo violé, kidnappé, pour yo ka songe, non. Jou allé, jou vini, Haïti a libéré Edmond Supplice Bozil qui m'a agréablement surpris avec billets ça qui sont billets qui presque même gens à petite parole que m't'a dit hier pour premier ministre là et oui parole semblait en pile parce que m't'a dit jou découvrons l'autre stratégie dans l'état et ça m'était dit hier dit dans l'état nous habitons série de monde qui toujours vient couvrir toute bagaille qui toujours dit oui n'a fait ceci nous passer instruction bagaille pour le bagaille qui a bien menti j'ai remarqué que formule ça met Jovenel à genoux devant peuple là qu'on y a choisi un autre style qui s'est même menti ah oui qu'on y a l'a joué sous sensibilité nous vous comprenez ou vient grand ou tant coup peuple à grand goul pas qu'à bon manger. Il pas vinn dou pas inquiéto la gars non moi ta cou Jovenel il ouais pas Jovenel là pas bon du tout li vinn dou mes amis bagay ça fait m'envie crier les m'a regarder ta peuple là ni bray nous en tant que dirigeant pas grand rien fait pour lui comme sou ka dit qu'est mon nèg t'a parlé pour moi mais c'est bluffé il pi bluffé toujours oui il connaît le pas faire oui alors que vous mettez le dans tête l'état ou pas mettez le pour plein non. C'est pour prendre décision, pour changer situation, changer destin. Aujourd'hui, il vient plein. Ou bien la police, les chefs CSPN, les mêmes qui chef directeur police là, oui. Il vient acculer directeur police là, oui. Il est insatisfait, il va pas avoir résultat. Pendant temps, ça le connaît, c'est patron Jovenel, qui a pas alimenté gang yo, et ça aide mon sot dit là. Qui a pas alimenté gang yo, il a même expliqué côté pour gang ça yo, joindre munitions pour y tirer tout le temps. Chaque jour. Nèg sa retire chaque jour bon Dieu mette. Pas jamais gen moun qui ka konnen côté a joine balle sa yo a tiré. C'est dans l'état yo joine ni encore. C'est dans l'état yo joine ni encore et puis li vin chita devant peuple là, la plein, la bagaille comme si n'a dit ah, monsieur sensibilisé oui. Ah, c'est pour ça me chef. Alors me chef, c'est pour me vin plein même Jacques population pour Jean et Colson a dit le pas ouais courant la caille et puis monsieur vinn dit pas ouais tout la caille moi non et pour ça metto non c'est pour prendre décision pour changer monsieur son bluffé lié son bluffé même Jacques patron donc content Edmond et ouais bagaille même j'avais pour le dire que mon cher non ça faut nous écrire quelque part parce que nous m'a suivi longtemps l'elle parle c'est même langage peuple là parler même ça n'a dit dans la rue et il dit on dit non, c'est pas normal. Bah, y'a pas de droit comme ça. Mais menti, sous bluff lié, il pas fait rien, vrai. Il connaît le pas qu'à faire rien. Ses pieds et mains sont totalement liés. Lorenz qui écrit, m'a comprendre. Ses pieds sont totalement liés. Il bien comme ça. Alors, merci papa. Un petit pocket. Merci. En tout cas, et sous COVID-19, là, et gagnent et cadres qui font du travail sous et pour parler d'opérations de corruption, de paupérisation, un peuple à plus pauvre et violation des droits humains. Il dit pas arrêté le 29 mars 2020, l'administration Jovenel Moïse a officiellement lancé l'état d'urgence sanitaire en Haïti pour un mois. Il a renouvelé pour un mois du 20 avril au 20 mai. Puis pour deux mois du 20 mai au 20 juillet. Durant cette période d'instabilité supplémentaire, le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme s'est attribué la double responsabilité de plaider pour que l'état d'urgence soit encadré par la loi ainsi que de monitorer. Alors, Edmond Dion Bagayme d'accord avec Lovensky, nous connaissons où on est qui gagne en pile affinité. Et pour la police là, monsieur dit, il saisit après déclaration jout là, que li pa wè tout policier déposer zamyo, met tout bagay yo à terre parce que son manque de respect pour la police, son manque de respect, l'OAP ou gon bonne gang nous même encore kap bagay yo,
ou da ou di ou pala avec ou l'onvle, etc. Kon yo ap vin bay la police responsabilité comme si c'est la police qui pa fè travay li. Tout, alors que tout pays a kon G9 et allié, G9 en famille allié, c'est allié. Allié le pa vle cité a, c'est gouvernement. C'est gouvernement ka allié. L'el di allié a, c'est gouvernement ka allié. Oui. Alors, ainsi, un communiqué de 3 rapports ont été produits et publiés dont COVID-19, état d'urgence mondiale, limité par les droits humains, Haïti, non-respect des droits humains et des principes de bonne gouvernance, repris par l'Institut de formation en droit de l'homme du barreau de Paris et l'Institut des droits de l'homme des avocats européens dans leur publication conjointe titrée « Confinement forcé sur tout le territoire national et modalités d'application des mesures disproportionnées dans une société démocratique, France, droits fondamentaux et loi et licéité de la loi du 20 numéro 2020 290 d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 et des mesures d'accompagnement. Arrivé à terme le 20 juillet 2020, aucun acte juridique n'a été posé pour mettre fin à l'état d'urgence et aucun bilan n'a été communiqué aux citoyens. C'est vrai? C'est dans bouge jovenel consa mande état d'urgence fini, pas qu'un bilan en rien y aura un peuple là, mais quantité l'argent dépensé, mais ça ne fait en rien. Or, plus de 34 millions de dollars américains ont été dépensés dans l'opacité la plus totale, ça veut dire dans fait noir, moun pa connaît. À l'insu de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dont la mission est de contrôler a priori projet de contrat, ça veut dire bien avant même qu'on dépense, c'est avant même pour le faire contrôle et puis après pour le faire évaluation et a posteriori voir instantanément tous les contrats engageant l'État haïtien avant et après, quelles qu'en soient les circonstances. Conséquemment, 29 contrats relatifs à ces dépenses adressées à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ont reçu un avis favorable, ce qui laisse comprendre que ces montants ont été, mes amis me disent, on a un avis favorable. Un avis défavorable, quoi, pas d'accord, non? Ça veut dire comme ça a été mal engagé. Je fais le content, elle tendait me dire avis favorable. En vue de boucler son travail de vigile sur l'état d'urgence sanitaire en Haïti, le cadre présente ce rapport constatant que l'état d'urgence sanitaire a été une entreprise de corruption, de paupérisation et de violation des droits humains par l'administration Moïse. 1. Violation des procédures de passation de marché public. Les procédures de passation de marché public en période d'urgence sont régulées par l'arrêté du 4 novembre 2009, coopérant dans moniteur spécial numéro 10, établissant les procédures d'appel d'offres restreintes sans préqualification et celles de gré à gré ou par entente directe en cas d'urgence due à des circonstances imprévisibles ou de force majeure. Toutefois, le marché ne peut être validé par la Commission nationale des marchés publics qu'après avis favorable de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, article 2.2.4. En outre, les arrêtés du 30 août 2017, publiés les 14 et 15 septembre 2017, numéro 25 et 26, listant les 5 domaines du manuel de procédure célère pour la passation des marchés publics en état d'urgence déclaré spécial numéro 26 par 8 et 9 et établissant des critères spécifiques stipule. Après la signature du projet de marché par les deux parties, l'autorité contractante le soumet à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, accompagné des dossiers d'annexe pour avis et enregistrement dans 7 jours calendaires. Tous les contrats de l'état d'urgence sanitaire ont été conclus à l'insu de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. 2. Actes de corruption. Au terme de l'article 5 de la loi portant prévention et répression de la corruption, 14 infractions sont qualifiées de corruption, dont passation illégale de marché public, concussion, abus de fonction, enrichissement illicite, détournement de biens publics, abus de fonction, versement de pots de vin, surfacturation. 3. 29 contrats conclus dans l'état d'urgence et transmis à la Cour supérieure des comptes sont rejetés.
et nous pas besoin citer yo Cleveland Manufacturing etc. Tout contrat ça c'est des contrats coûts des comptes rejetés. 4. Violation des droits humains, l'arrêté du 20 mars 2020 est contraire aux droits humains. D'abord, il ne liste pas l'ensemble de droits de liberté faisant l'objet de dérogations, notamment l'interdiction de circuler entre 8 heures du soir et 5 heures AM et les amendes à verser en cas de non-respect, ce qui a donné lieu à de nombreuses atteintes à l'intégrité physique des citoyens, dont le journaliste Georges Emmanuel Alain, qui a été gravement et lâchement battu et humilié par des policiers et agents attachés au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales dans la nuit du mardi 28 avril 2020. Ensuite, le dit arrêté ne justifie pas l'état d'urgence. Or, le texte déclarant l'état d'urgence doit justifier les raisons pour lesquelles l'exercice de certains droits fondamentaux serait restreint. En troisième lieu, les organisations des Nations Unies et des États américains n'ont pas été informés des mesures restrictives de liberté adoptées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 27 de la Convention américaine relative aux droits humains. En quatrième lieu, les critères de désengagement des prisons n'ont pas été inscrits dans un cadre légal. 34 millions de dollars américains dépensés, mais le système de santé n'est pas renforcé. Une enquête menée par Aibo Post et reprise par le cadre révèle notamment que les hôpitaux Saint-Luc et Saint-Damien sont les deux seuls hôpitaux sur 21 dans le département de l'Ouest pouvant recevoir des personnes affichant les symptômes de la COVID-19. Les principaux hôpitaux publics du pays fonctionne dans la grande précarité. Une enquête du cadre pendant les deux premiers mois de l'état d'urgence, mars-avril, signale que les hôpitaux de référence des chefs d'arrondissement n'étaient toujours pas équipés pour répondre à la pandémie. La situation de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti l'illustre parfaitement, notant que l'hôpital universitaire de Mirebalais, principal centre de traitement des patients et de la COVID-19, ayant coûté environ 23 millions de dollars américains, a été construit par les fonds versés par des donateurs étrangers au début de l'année dernière, 2019. Il a failli fermer ses portes car l'État haïtien, devant partager les coûts de fonctionnement, n'a pas honoré ses obligations. Le budget 2019-2020, adopté le 5 juin 2020, trois mois avant la fin de l'exercice fiscal, relègue au second plan les droits humains et consolide la corruption. N'étant pas une loi de finances, ce budget adopté en Conseil des ministres le 5 juin 2020 est irrégulier et va tenter de légitimer les dépenses imprévues et effectuées en violation des normes de passation de marché public, consolidant donc la corruption, affaiblissant davantage les institutions de contrôle et des dépenses et des recettes de l'État, particulièrement la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dont le budget est réduit de 53%. L'exécutif bénéficie de 1,8 milliard et de 20,4 milliards de la rubrique autre intervention dont lui seul a le contrôle et peut donc le dépenser à sa guise. Parallèlement, le service de la dette a eu une augmentation de 43%, passant de 14 milliards de goudes, budget 2017-2018, à 20,1 milliards, la quasi-totalité des entités étatiques qui permettraient aux couches les plus vulnérables de jouir progressivement de leurs dons ont été relégués au second plan. À titre d'exemple, 4,3% du budget alloué au secteur santé, 2,1% au ministère des Affaires sociales, 0,1% à l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne. Aujourd'hui, près de la moitié de la population vit dans la misère abjecte, ce qui équivaut à un massacre sous-jacent et la classe moyenne bascule dans la pauvreté. L'état d'urgence sanitaire a servi de prétexte à l'administration Jovenel Joute pour accélérer la machine de la corruption, paupériser la population et violer les droits humains. L'état d'urgence sanitaire en Haïti, une opération de corruption, de paupérisation et de violation des droits humains. Donc, il est disponible, rapport ça, sur le site www.card.org. Et pour le joindre, et même l'état n'a pas fait bilan, mais CARD, essayez. Fait bilan, c'est un document de 31 pages et que
Ricard fait résumer ça pour nous, pour montrer nous quantité gagote que Negio fait pendant période de COVID-19 si là en Haïti. Lovensky jeudi, sous prêt, sous voulez, sous d'accord. Ben, c'est nous qui prenons pause là pendant la saluer deux jeunes citoyens sérieux qui permettent que nous live sous réseaux sociaux. Ah, bon, qui t'aime pas les net. Sous réseaux, moi, ça va pas déranger, non, moi, j'aime parler, ou comme ça. Et puis, pays, ça a tellement de paroles pour dire. Seulement, c'est un petit bagage qui pour faire nous toucher fin mois ou pas passer. Oui, et oui, merci. Alors, on a salué. Et Bédo Danaël, et puis et Juninho Koda. Les deux sont là, ça n'arrive pas souvent. On m'a dit qu'on a cherché Yon pour fonter ou pas joindre, mais je dis à tous deux là. Merci, messieurs. Alors, on a pris pause là, Naptoné. Nous saluons le docteur Louis Charles, pneumologue, qui était des noix pile, toujours présent, les nourrir l'île, et non. Pendant la période COVID-19, là, en pile médecin pour nous saluer et tout. Gino Félix, nous gagnons vraiment, oui, nous gagnons en pile compliment pour à tout l'autre médecin qui était météo disponible. Merci, merci tout le monde. N'a prend pause là, n'a tourné tout à l'heure avec auditeur. Interdiction.